Bonjour et merci d'être à l'écoute de Bien branché, votre magazine d'actualité matapédienne. Pour notre dernière présentation de l'année 2015, nous vous proposons une émission qui témoigne du travail d'équipe de la TVC. Cette semaine, si vous avez de vieilles photos que vous aimeriez archiver, la MRC de la Matapédia pourrait s'en charger pour vous. La campagne Centraide se poursuit, dévoile deux donateurs et vous invite à donner généreusement. Nous discutons aussi avec M. Gaétan Ruet de l'avenir du wagon Linwood. Valdirène ne manque pas de projets pour plaire à tout le monde. La ressourcerie vous présente son tout nouveau croque-livre. Les petits explorateurs nous font découvrir le Pérou. Et Diffusion Mordicus dévoile sa programmation hiver-printemps 2016. Mais tout d'abord, voici des nouvelles du Camp Sable Chaud. Nous sommes présentement au Camp Sable Chaud pour savoir ce qui s'est passé cet été et aussi savoir ce qui s'en vient dans l'avenir. Madame Michaud, on est au Camp Sable Chaud et là, on est rendu avec un décor d'hiver, mais j'aimerais savoir comment ça s'est passé cet été ici. On a eu une très belle été. On a plus de campeurs, au moins 30 campeurs de plus cette année. Alors, je ne sais pas si c'est l'âge ou qui fait que ça arrive comme ça, parce que c'est certain que quand ils ont 15-16 ans, ça leur tente plus ou moins. Mais là, on a beaucoup plus de jeunes cette année. Mm-hmm. Et les 4 jours ont augmenté aussi. Alors, ça, les 4 jours, c'est agréable et c'est bénéfice pour les parents. Alors, les enfants, ça viennent ici, passer leur journée de 8 heures le matin à 5 heures. Et dînent ici, ils ont leur collation et ils sont animés à l'extérieur seulement, à moins qu'ils passent un orage épouvantable. Et même là, ils trouveraient le tour de s'amuser dehors. Oui. Et puis, est-ce que ça va revenir, cette formule-là, aussi l'an prochain? Oui, absolument. Les campeurs, c'est sûr que ça va toujours être là. C'est à partir de la Saint-Jean, bien, peut-être pas parce que ça tombe la fin de semaine, peut-être le 26 juin jusqu'au 8 août. Et ensuite, on prévoit, après la fermeture des terrains de jeu, de continuer le camp de jour pour 2 semaines pour aussi, encore là, avantager un peu les parents qui sont obligés souvent de prendre des congés parce qu'ils n'ont pas de gardienne, s'il n'y a pas de garderie nécessairement attitrée. Mm-hmm. Et là, il y a une nouvelle formule qui a été mise en place. Là, vous êtes à l'affût de la technologie. Ah oui, à partir de après les fêtes, on va être en vente en ligne. Alors, ça veut dire que vous allez pouvoir réserver sur Internet, en consultant notre site et tout, mm-hmm. pour les camps d'été. Alors, la facilité est là, l'amusement est là, tout est là, mais il y a eu un petit problème qui est arrivé cet été. C'était très navrant d'apprendre ça, qu'il y avait eu un vol. Oui, c'est sûr. C'est pas cet été nécessairement, c'est l'été 2014, on venait juste d'installer nos tentes explorateurs pour les jeunes qui vont faire du camping au phare, et on s'est fait voler. Et c'est certain qu'on ne les a pas remplacés l'année passée, mais par contre, il y a une entreprise ici de la région, qui est les caisses des mutualistes, ont décidé de nous les offrir. Alors, nous avons reçu 2 belles tentes explorateurs avec une caméra de surveillance en plus. Mm-hmm. Alors là, vous êtes équipés pour savoir au moins qui c'est qui peut faire ça, éventuellement. Oui, exactement. Puis c'est important parce que, mais si ces gens-là se sont pas rendus compte qu'ils privaient les enfants de leur activité préférée, qui est le camping. Oui. Ouais, c'est souvent les plus démunis, justement, qui sont les plus brimés. Et puis, là, qu'est-ce qui s'en vient pour dans les réservations? Comment ça se passe ici, là, pour Noël? Puis... Alors, pour Noël, à l'heure actuelle, au Grand Pic, tout est loué. Il reste ici 3 jours entre Noël et Jour de l'An pour des familles. Ce qui fait que c'est pas loué, peut-être que comme la période des fêtes, Noël et Jour de l'An arrivent dans une fin de semaine, alors dans le milieu de semaine, c'est plus ou moins intéressant, mais ça peut aussi être intéressant pour quelqu'un qui veut réserver pour un soir ou deux. Mm-hmm. Alors ça, c'est super intéressant pour ça. Mm-hmm. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres activités qui s'en viennent prochainement? Notre plus grosse activité, c'est une première cette année, c'est-à-dire qu'on l'a déjà eu il y a 2 ans, je pense, 2 ou 3 ans, la semaine de relâche. Alors, dépendamment de la longueur de la semaine de relâche cette année, qu'elle soit une semaine complète ou en 3 jours, il y aura une semaine de relâche ici. Ça, c'est important.
C'est certain qu'on ne le fera pas pour 5 enfants, mais je veux dire, s'il y a un minimum de 20 enfants qui vont s'inscrire, il y aura une semaine de relâche, soit en 4 jours ou soit avec hébergement. Une super belle idée, là, justement, pour les sortir de l'école puis leur faire prendre l'air. Et puis, si on veut vous joindre, les coordonnées, c'est quoi? Alors, toujours le 418-629-3747 ou sur notre site ou même à notre courriel. Alors, cancerbleuchaud@commercial.hotmail.com. Oyez, oyez! Vous êtes tous et toutes invités à venir festoyer à la 18e dégustation de vins et fromages au bénéfice de la télévision communautaire Vallée de la Matapédia. La fête aura lieu à la salle des 50 ans et plus d'Amqui le samedi 30 janvier prochain à 18h, heure locale. Pour plus d'informations, 418-629-4503 ou direction @tvcmatapedia.com. La MRC de la Matapédia est à la recherche de vieilles photos de la vie matapédienne pré-1970. Nathalie en discute avec Pascal Saint-Amand, agent de développement culturel à la MRC de la Matapédia. Pascal, il y a une cueillette de photos anciennes qui se fait depuis quelque temps, mais j'imagine que c'est pas tout le monde qui est au courant, puis ça vaudrait la peine qu'il soit. Oui. Puis, comment ça fonctionne exactement? Vous allez chez les gens? En fait, c'est un projet de la MRC qui date quand même d'il y a quelques mois. Donc, qui a été lancé dans le but de rassembler les photos anciennes sur la MRC puis de les mettre en ligne dans une galerie virtuelle. Un problème qu'on rencontre depuis plusieurs années dans le coin, c'est que les photos sont éparpillées. Il n'y a pas un seul lieu ou un seul détenteur des archives photographiques de la MRC. Donc, on veut un peu pallier à ce problème-là en le faisant nous-mêmes du côté de la MRC, puis en mettant en ligne cette galerie-là. Puis la cueillette se fait directement auprès des gens qui ont des vieilles photos, donc des années 70 ou plus anciennes. Nous, on se déplace chez eux, on va aller avec un appareil pour numériser, puis on va évaluer avec eux quelles sont les photos qui peuvent être pertinentes à conserver, puis lesquelles nous intéressent moins. On va les numériser sur place, puis ensuite, on va les mettre en ligne dans la galerie. Cette galerie virtuelle-là n'est pas en ligne encore. Ça va être dans les prochaines semaines, les prochains mois que ça va être fait. On a déjà plusieurs centaines de photos qui sont récupérées. On continue la collecte. Puis au plus tard, au début 2016, ça va être mis en ligne puis disponible pour tout le monde qui veut aller voir ces photos-là. Quel genre de photos vous avez jusqu'à maintenant? En fait, c'est ce qu'on a, c'est beaucoup de photos qui touchent des rassemblements populaires, des événements dans certaines municipalités, des industries, l'arrivée du train, par exemple, en tout cas à Sébec, dans le secteur de la gare. Mm. C'est vraiment ce genre de photos-là qui nous intéresse, aller documenter les grands thèmes importants pour la région. Puis dans les photos qui nous intéressent moins, ça nous permet vraiment de séparer qu'est-ce qui nous intéresse et ce qui nous intéresse pas. Des photos personnelles, des photos d'individus, des photos familiales qui sont vraiment dans un contexte privé, nous intéressent moins. On veut pas rentrer dans des choses, dans le salon des gens du passé. On veut vraiment ce qui caractérise l'ensemble de la région puis ce qui donnerait un portrait plus global de la MRC. Donc, à partir de ça, ce qui va être mis en ligne va être identifié par mots-clés, va être séparé un peu par thématique. Donc, les gens qui s'intéressent à la foresterie vont pouvoir avoir un bloc de photos sur la forêt. Les gens qui s'intéressent plus à l'aspect religieux ou au commerce vont pouvoir encore là cliquer puis accéder seulement à ces photos-là. Même chose pour le patrimoine bâti. Donc, c'est un peu ça le portrait de ce qu'on veut faire avec ce projet-là. Est-ce qu'il y a des thèmes de photos que vous recherchez présentement, que vous dites « Ah, ça serait le fun d'avoir ça » Bien, on n'a pas cerné vraiment un sujet en particulier qui nous intéresse davantage qu'un autre. Je dirais que tous les sujets que je viens de proposer, exception en fait de ce qui est privé, nous intéressent. On n'a pas encore ciblé un élément en particulier qui pourrait être vraiment important à documenter. Donc, ça viendra peut-être plus tard, mais pour le moment, toutes les photos sont intéressantes. On invite vraiment les gens à communiquer avec nous. On va s'asseoir, on va en discuter avec eux vraiment pour leur expliquer qu'est-ce qu'on recherche exactement, puis voir avec eux dans leurs photos qu'est-ce qui est pertinent puis qu'est-ce qui est moins. Ça peut être intéressant aussi pour eux de pouvoir faire numériser leurs photos pour qu'elles deviennent immortelles, en quelque sorte. Oui, absolument. Nous, dans le processus de numérisation, évidemment, on en a une copie de notre côté pour mettre en ligne. On peut en remettre une copie aux gens dont les photos sont en support papier. Donc, pour eux, oui, ça peut être une occasion de les faire numériser puis d'en avoir une copie pour garder, en fait, ou pour transmettre.
Et pour avoir vos coordonnées, bien, pour pouvoir vous rejoindre, c'est à quel numéro exactement? On peut nous joindre à la MRC au 629-2053 ou encore m'écrire par courriel à culture@commercialmrcmatapedia.qc.ca. La campagne de financement de Centraide se poursuit et tire bientôt à sa fin. Il n'est toutefois pas trop tard pour suivre l'exemple de milliers de généreux donateurs bas-laurentiens. Nathalie Roussel en a rencontré deux. La campagne Centraide est en plein en cours ici dans la vallée, dans le Bas-Saint-Laurent. Comment ça se passe cette année? Écoutez, ça va bien, mais il faut poursuivre les efforts. La campagne a débuté le 24 septembre dernier. On a un objectif ambitieux de 950 000 $ pour l'ensemble du Bas-Saint-Laurent, mais c'est 650 000 pour les quatre MRC de l'Est, donc Matane, Matapédia, Métis, Rimouski. Donc actuellement, la campagne bat son plein dans l'ensemble des territoires de MRC. On sollicite les travailleurs, les milieux de travail, mais on sollicite également la population afin qu'elle puisse donner généreusement à Centraide. Et les organismes sont, se dévouent vraiment pour la cause aussi. Écoutez, c'est extraordinaire de voir d'abord les cabinets des différents territoires de MRC, dont celui de la Matapédia ici. Quand même un objectif important pour la Matapédia. Je vais laisser mon collègue en parler tout à l'heure. Mais écoutez, et dans les milieux de travail, bien, on fait le prélèvement à la source dans beaucoup d'entreprises. Mais on considère aussi que toutes les activités que peuvent organiser les milieux de travail, les partenaires communautaires de l'éducation, des municipalités aussi, pour essayer d'aller chercher ne serait-ce que des petits dons, l'équivalent d'un café par semaine de la part de l'ensemble de nos employés salariés, qui, on doit dire, même si parfois c'est difficile de rejoindre les deux bouts, quand on a un travail, quand on est inclus socialement, on reste une personne privilégiée dans la vie. Et on sait que Centraide a des retombées importantes dans la vallée. Là. Ça quadruple des fois. Bien, écoutez, c'est extrêmement important. Là. L'année dernière, c'est plus de 126 000 $ qui ont été donnés dans les organismes Centraide de la vallée de la Matapédia. Donc, évidemment, chaque don que fait la population, je dirais, est multiplié en retour sur l'investissement. Et ça, c'est des dons qui vont à des partenaires de la communauté, des organismes communautaires qui aident des organismes comme les Moissons, comme les centres d'action bénévoles, des organismes qui soutiennent les personnes les plus vulnérables, donc les gens qui vivent dans la pauvreté, les gens qui vivent dans de l'isolement social, les personnes qui ont une déficience physique, une déficience intellectuelle, qui n'ont pas accès au marché du travail. Et nos aînés, il faut le dire, beaucoup de nos aînés, même si on ne veut pas le voir, c'est une réalité, vivent dans l'isolement et dans la pauvreté. Et Centraide, notamment, vient chercher, dans le fond, ces personnes-là pour leur offrir du réconfort, du soutien, de l'amélioration de leur qualité de vie quand c'est possible. Bien, merci. Et puis, ici dans la vallée, plus précisément, comment ça se passe exactement? Là? Ça va bien. C'est pas terminé. Les défis sont grands. On a une cible de 45 000 $ dans la vallée de la Matapédia. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais ça va bien. On connaît la générosité des Matapédiens. On sait que quand ça vient le temps d'être solidaire avec leur milieu, ils sont présents. Mais on est là pour le rappeler, puis essayer d'être en mode innovation, d'être créatif aussi dans les façons pour permettre de récolter des sous, justement pour la clientèle vulnérable que Mme Malou mentionnait tout à l'heure. Donc, c'est un travail de tous les jours. On a des gens qui sont impliqués, qui font un travail extraordinaire. On parlait des organismes qui sont receveurs de Centraide dans notre région. Ils sont aussi à pied d'œuvre avec leurs bénévoles, avec leur conseil d'administration, pour justement organiser des choses. Il y a différents événements qui ont eu lieu, des ventes d'agrumes, des ventes de galettes, des ventes de pâtés, des événements. Il va y avoir un événement aussi le 13 février prochain pour ramasser des sous au niveau de Centraide, un souper qui va avoir lieu en février pour justement là, compléter la campagne de la vallée de la Matapédia. Ça avance bien, mais il ne faut pas lâcher. Je pense que les entrepreneurs aussi mettent la main à la pâte, là. Oui, bien, on invite tous les entrepreneurs de la vallée de la Matapédia à s'impliquer de deux façons. Évidemment, comme entreprise, on leur demande s'ils veulent bien contribuer. Je pense quand on est une entreprise, on vit avec la population qui nous entoure. C'est la population qui nous encourage, qui vient consommer dans nos commerces. Donc, je pense qu'aussi, la clientèle vulnérable, malgré des fois des besoins plus limités, vont quand même consommer. C'est une nécessité. Et donc, on demande aux entrepreneurs d'être présents sur ce volet-là.
Et un autre volet qui est vraiment intéressant, Mme Malum, tu parlais tout à l'heure de l'équivalent d'une tasse de café par jour, d'inciter, d'importer le concept là, du prélèvement à la source au niveau des employés, d'inciter les employés à donner ne serait-ce qu'un dollar ou deux dollars par paye, par semaine, pour permettre justement de ramasser. Puis quand on multiplie tous ces beaux dollars-là, c'est là que la solidarité devient vraiment... Elle prend tout son sens, parce qu'à ce moment-là, on ramasse beaucoup de sous, puis on peut redonner justement aux organismes qui en ont besoin, parce que ces organismes-là aident des gens qui sont dans le besoin. La Caisse des Jardins, évidemment, elle fait son bout. Oui, effectivement, comme employeur, on a une campagne en milieu de travail et Desjardins, ce qu'on fait, c'est qu'on accote, si on veut dire, si on peut dire, le montant que les employés mettent en prélèvement à la source. Puis aussi, comme organisation, on fait un don de 3 000 $ à Centraide. Donc, tout ça, dans une cohérence de solidarité avec notre milieu, on est là parce qu'on a des membres, on est là parce qu'il y a des gens qui travaillent avec nous puis qui nous supportent. Bien, nous aussi, en retour, on veut être là pour les supporter. C'est tout à fait cohérent. C'est là que prend tout son sens le fait de faire affaire dans notre belle vallée. La campagne de Centraide, ça permet beaucoup aux organismes de pouvoir continuer leur mission. De quelle façon que Centraide a un impact pour chaque organisme ici? Bon, je dirais qu'ici, en termes financiers, c'est certain que Centraide investit autour de 125 à 130 000 $ par année dans les 7 ou 8 organismes que l'on soutient. Ces organismes-là font la lutte à la pauvreté, soutiennent les gens tant au niveau de la sécurité alimentaire, de briser l'isolement social, aider les jeunes aussi, persévérance scolaire. Donc, on s'entend que Centraide permet aux organismes d'avoir des sous supplémentaires pour mieux accomplir leur mission. OK? Et Centraide, c'est le véhicule de solidarité pour ces organismes-là. C'est-à-dire qu'un organisme que l'on soutient, en principe, ne va pas faire de levée de fonds majeure dans sa communauté. C'est Centraide qui le fait à sa place. Donc, nous sommes les porteurs, je dirais, de la mission de lutte à la pauvreté pour la vallée et pour ramasser les dons, gérer les dons, redistribuer les dons. Donc, ça évite aux organismes aussi d'avoir à faire ce travail-là. Donc, ils peuvent se concentrer mieux sur leur mission de lutte à la pauvreté. Centraide, c'est sûr que notre plus grand travail, le développement social, c'est pour l'ensemble du Bas-Saint-Laurent. Les dons que l'on va recueillir sont mis dans un, je dirais, dans un compte commun. Et à ce moment-là, des gens, des bénévoles qui connaissent très bien les communautés analysent à chaque année les demandes de soutien financier des organismes et redistribuent les sommes en fonction des besoins. C'est pour ça qu'ici, dans la vallée, la campagne de levée de fonds de Centraide pour la vallée, c'est 45 000 $ mais on vous redonne 126 000 $ ou 130 000 $ parce que nos évaluateurs bénévoles considèrent que les besoins sont de 126 000 $ et il y a des régions qui reçoivent un petit peu moins, un petit peu plus. Ça varie d'année en année. Donc, on est vraiment branché sur les besoins des communautés. Alors, une belle façon de pouvoir donner à plein d'organismes en même temps quand on donne à Centraide. Exactement. Les gens qui donnent à Centraide peuvent être convaincus que leur don va au bon endroit pour faire la lutte à la pauvreté et qu'une équipe de bénévoles analyse à chaque année où on est mieux d'aller investir le don. Donc ça, là-dessus, les gens peuvent être convaincus de la qualité de l'analyse des demandes. Est-ce qu'on peut rappeler que la campagne de Centraide, c'est jusqu'à quand? Donc, la campagne de Centraide va se terminer vers la fin janvier. En fait, là, présentement, il y a encore plein d'activités qui se déroulent. Je sais qu'ici, dans la Matapédia, ils veulent faire une activité aussi de fin de campagne. Vous aurez sûrement l'occasion d'en entendre parler. Ça va se dérouler, si ma mémoire est bonne, le 13 février, un souper de la Saint-Valentin. Donc, ça va vraiment mettre fin à la campagne. Et le dévoilement des résultats aura lieu cette année autour du 17 février, comme à chaque année. Et on va pouvoir dévoiler à l'ensemble de la communauté combien on a réussi à aller chercher pour la campagne 2015. Ce sera encore extraordinaire, je le souhaite. on le souhaite beaucoup. Merci beaucoup. Vincent, tu investis dans Centraide année après année. Pourquoi exactement? Bien, c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur parce que Centraide, lorsqu'on fait un don à Centraide, Centraide va redistribuer les sous à beaucoup d'organismes. Et la Matapédia va en bénéficier peut-être un peu plus que les autres régions à cause que le milieu est un petit peu plus défavorisé. Donc,
Il y a vraiment beaucoup de services qui sont rendus avec ces sous-là. Et tu as été personnellement sur le comité de sélection, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement? Moi, au départ, j'étais sur le comité d'allocation des sous, là, c'est-à-dire qu'on prend le montant recueilli chaque année puis on le redistribue à tous les organismes des quatre régions. C'est un peu sur le comité d'allocation. Par la suite, j'ai été président d'honneur de la région ici, de la Vallée, là, en 2008. Puis après ça, je suis resté impliqué dans la Centraide. Je fais du bénévolat pour eux. Puis je participe personnellement au niveau monétaire. Ouais. Et puis, est-ce qu'on pourrait lancer un appel aux autres entrepreneurs là, pour dire, bien, regarde, ce serait peut-être le fun que les autres fassent comme toi? Pour les gens qui n'ont pas déjà donné, bien, je pense que c'est encore temps. Puis, c'est sûr que si on a un don à faire dans un organisme, je pense que Centraide, c'est probablement un des meilleurs parce que Centraide va redistribuer les sous à plusieurs organismes. Donc, je pense que si on a un don à faire, je pense que Centraide, c'est la place. Quel avenir est réservé au wagon Linwood au cours des prochaines années? Nathalie s'est entretenue avec le maire d'Amqui, M. Gaétan Ruet, à ce propos. Dernièrement, là, on a entendu parler du wagon Linwood. Oui. Ça, c'est quoi qui va arriver finalement avec... Bien, là, compte tenu que le wagon, là, il faut soit être aveugle là, pour ne pas se rendre compte que le wagon a besoin d'une sérieuse remise à niveau. Hein? C'est un wagon qui a une histoire incroyable et fantastique, mais là, il a l'air du diable. Parce que là, il a dépéri, puis celui qui l'avait eu avant nous, bien, ce qu'il avait mis comme peinture, je pense, ça n'a pas trop duré, puis bon, le soleil faisant son œuvre. Puis il y a des vandales qui sont allés casser des vitres après ça. Quand on regarde toutes les priorités que la ville a, bien, c'est quoi, là, qu'on fait? J'ai demandé, moi, via Rail GD de New Richmond, de nous dire combien ça serait de la facture pour réparer ça. Bien, ils m'ont arrivé avec un chiffre de 850 000 $. 850 000, là, j'ai beau dire, j'aime ça, je me suis battu. C'est une des premières choses que j'ai réussi à faire au début des années 2000, là, d'amener ce wagon-là qui était à Gaspé, puis que le propriétaire, il était prêt avec, il fallait qu'il s'en départisse, puis ça avait connu toute son histoire sur la Côte-Nord, puis une bonne partie de l'histoire aux États-Unis. C'était une attraction touristique. Les gens de Pointe-au-Père, le musée de Pointe-au-Père, les autres, ils voulaient avoir un sous-marin pour amener plus de monde, de touristes arrêtés. Fait qu'ils ont fini par mettre la main sur un sous-marin, puis ils ont creusé une tranchée, puis ils l'ont rentré au bord. Ici, à Amqui, quand le monde passe, il regarde autour. Bon, c'est quoi qui est intéressant à voir? C'est beau, la vallée, les paysages. Mais c'est quoi qu'on a à faire ici? C'est quoi qu'on a à visiter d'intéressant? Bien, à un moment donné, pour en avoir un peu, il faut aller en faire ailleurs. À le pompe au séjour, là, bien, il y a bien du monde qui vient d'avoir ça, là. Il y a quelqu'un qui était à la cachette un jour qui m'a dit, moi, je comprends pas comment ça qu'il y a autant de monde qui viennent voir des vieilles affaires de même. Mais pourtant, le monde, il rentrait dans la cachette pour acheter des produits aussi, là. Mm-hmm. Puis pourquoi qu'il venait? Parce qu'il avait vu qu'il y avait des ponts couverts à Amqui. Alors, on l'a pris ailleurs, puis il était sur le point d'être démoli. Puis aujourd'hui, il sert, puis il fait la fierté des gens d'Amqui. Alors, le Linwood, bien, quand il est défraîchi comme ça, bien, il fait un peu que ce que la maison Odilon Vallée faisait, ou le cinéma Figaro, quand ça vient défraîchir, on a envie de mettre l'âge là-dedans, de s'en débarrasser. OK? C'est dans notre tête, nous autres, les Québécois, là, on se débarrasse des vieilles affaires. Puis quand on se promène dans un vieux pays ou ailleurs, là, ben on dit « Hey, ils ont donc bien des belles affaires, eux autres. Ça date de telle année puis de tel loin. » Nous autres, on est jeunes, on vient juste de fêter notre 125e, mais aussitôt qu'on a de quoi qui vieillit puis commence à pas être entretenu, il faudrait mettre l'âge là-dedans puis faire disparaître ça. Parce que ça nous tanne. Bon. Mais c'est drôle que quand quelqu'un prend ça en main, là, comme les gens qui ont la propriétaire de l'ancienne maison de M. Origène Leclerc, qui ont décidé de la retaper, puis la remettre belle, puis de respecter le patrimoine, puis que ce soit la maison de Duncan Dubé qui est devenue l'auberge Beau Séjour, qui à un moment donné se laissait aller, puis que là, il y a des gens qui se sont mis à travailler dessus, puis à la flatter, puis à la rendre plus belle, bien là, on s'en va là, bien, c'est intéressant, tu sais. Puis la gare, à un moment donné, elle faisait dur que je suis arrivé à la ville, moi, le monde, les touristes, ils passaient, puis arrêtaient la gare, se mettaient les nids dans la vitre, puis ça, ils pouvaient même pas rentrer parce que c'était fermé. OK? Alors là, on a travaillé avec Via Rail, puis on va travailler encore pour qu'ils refassent une peinture neuve. Nous, on a des choses à faire en dedans. Il y a de places culturelles qui pourraient être faites. Fait que le Linwood, là, c'est fantastique. Mais là, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment tu arrives à trouver de l'argent sans prendre ça dans les poches des citoyens? Puis où tu prends ça quand il n'y a pas de programme? Alors, moi, c'est drôle, mais les élections de M. Trudeau, là, le 19 novembre, là, ça, pour moi, il y a des circuits électriques là, qui ont connecté, là, puis qui m'ont mis en mode, là, hey, il y a quelque chose peut-être à faire. Le Canada, la devise, c'est quoi? Et ils nous enseignaient ça à l'école, là, d'un océan à l'autre. OK? Alors, quand ils ont fait la Confédération, là, il y avait quatre provinces fondatrices, puis ils ont dit aux provinces, là,
Si vous acceptez qu'on fasse une confédération avec vous autres, entre autres, ce qu'on va faire, on va faire un chemin de fer d'Halifax à Vancouver. Ça va donner des jobs, ça. Puis ça, on va pouvoir circuler puis aller en ville plus facilement, aller à Montréal. Parce que là, à l'époque du chemin de fer, là, tu montais en cheval à Montréal. Là. Les autos et les camions, c'était pas inventé encore. Là. OK? Mais tu montais en train. Le monde travaillait en train, la marchandise puis tout ça. Alors, puis là, là, de plus en plus, avec l'histoire du réchauffement de la planète, des gaz à effet de serre, ça coûte bien moins cher, puis ça fait bien moins de gaz à effet de serre quand tu transportes les gens avec des trains qu'avec même un autobus, là. Puis avec les autos encore pire, tu sais. Fait que, Via Rail, avec M. le président, le nouveau président, là, Yves Desjardins-Siciliano, M. Marc Garneau, qui est allé dans l'espace, mais qui est le ministre des Transports pour le Canada, a dit on veut améliorer le service de transport passager. Via Rail, ça appartient aux Canadiens, aux Canadiennes, à tout le monde, entre nous. Alors, et à l'époque, quand le train était beaucoup plus utilisé, puis que les politiciens n'avaient pas des jets comme on a vu à la dernière campagne électorale, ils se déplacent maintenant avec des jets encore plus rapides, bien, ils prenaient des trains, puis quand ils voyageaient avec des trains, bien, il y avait des wagons personnels de fonction. On appelle ça des private cars en anglais ou des business cars. C'est des wagons qui sont c'est comme des maisons sur rail. C'est comme les gros Winnebago qui se promènent sur la route aujourd'hui. Le monde, okay. Ils ont tout là-dedans. Ils ont le frigidaire, ils ont la cuisine, ils ont la chambre à coucher, ils ont le salon, ils ont tout. Bien, c'était ça l'idée là, d'un wagon comme ça sur le rail. La même affaire. Puis c'est ceux-là qui se faisaient construire ça, là, c'était des gens qui en moyen. Celui qui l'a fait construire, il était l'homme le plus riche de Pennsylvanie, de Philadelphie et un des 16 plus riches des États-Unis. Alors, il y avait le moyen. L'année de la crise, en 1929, alors que tout le monde se serrait à la ceinture, puis il y en avait qui perdaient leur job, puis qui se suicidaient parce qu'il était au bout du rouleau, bien lui, il faisait réparer son wagon à Pullman City, à côté de Chicago, une ville fermée et industrielle de 10 000, dont les archives aujourd'hui appartiennent à Bombardier. Alors moi, je me suis dit, pour l'année du centenaire, là, un des éléments qu'on devrait célébrer, c'est le rail. Puis le rail qu'ils ont construit, là, ben, il part d'Halifax, s'en va à Vancouver. Puis le rail qu'ils ont construit, ben, c'est celui-là qui passe par la vallée. Quand ils l'ont fait dans la vallée, il y a 2000 travailleurs qui sont venus ici et qui ont construit ça. Là. À cette époque-là, ce tronçon-là, c'était construit par l'intercolonial. Là. Il y a des choses, il y a de l'histoire là-dessus. Et puis les politiciens, là, ils voyageaient pour aller voir les voteurs avec des trains passagers, mais dans un wagon comme ça. Puis il y a une galerie en arrière, puis là, ils sortaient là-dessus, ils faisaient le discours, puis ils faisaient babaille dans un petit village ou dans un rang qui passait, OK? Fait que là, moi, je me suis dit, le wagon, il a été construit en 1917. Le 150e du Canada, il a lieu en 2017. Alors, le wagon va avoir 100 ans. 100 ans, le wagon, 150 ans, le Canada, 375 ans, Montréal. Il y a plein d'événements qui convergent, là. Il y a un timing. M. Trudeau, il semble être très populaire, puis je pense qu'il va le demeurer encore un bon bout, là. S'il continue comme il est parti. Et je pense que s'il y avait une traversée du Canada avec un train spécial, avec des wagons thématiques qui pourraient parler, disons, du Canada hier, du Canada aujourd'hui, du Canada demain, un wagon, par exemple, pour les communautés, les Premières Nations, pour les jeunes, ils pourraient faire un convoi thématique avec une locomotive ancienne qui sont en état de marche, qui appartiennent aux Canadiens et Canadiennes qui sont dans le musée ferroviaire du Canada, qui est à Ottawa. Ils prennent une de ces locomotives-là, mettent en avant, mettent des wagons. Mais en arrière, ça prend une voiture personnelle de fonction. Puis nous autres, on a une à lui prêter. Mm-hmm. On dit, on va vous la prêter, mais ce que vous devez faire, par exemple, c'est faites-la réparer. Okay. Alors, comme on va être à eux autres pour faire le voyage, bien, il faut qu'ils la réparent. Et nous autres, à Amqui, ça nous coûte quoi? Zéro. OK? Mais pour avoir zéro, il faut les convaincre. Mm-hmm. Alors, moi, j'ai besoin de monde qui disent, hey, c'est pas une idée de fou, ça a bien de l'allure. Parce que ce wagon-là, si sur la Côte-Nord, le duc d'Edimbourg, l'actuel conjoint de la reine d'Angleterre, que Jeanne Sauvé, ex-gouverneur général du Canada, le Luigi Saint-Laurent, ex-premier ministre du Canada, Joe Smallwood, Brian Mulroney, un paquet de grandes figures politiques du Canada ont voyagé dans ce wagon-là quand il était à cette île, entre cette île et Chafferville, pour aller à des excursions de pêche. Puis M. Duplessis, je pense qu'il y en a plusieurs s'ils ne l'ont pas connu, mais en tout cas, ils savent qu'il a existé comme premier ministre du Québec. Il était à Chafferville. C'est justement lui qui avait ouvert, qui avait permis que l'Iron Horse se constitue parce qu'il lui a offert le minerai de fer à une scène la tonne. Une scène la tonne. Alors, il était, à un moment donné, à Chafferville, puis il est décédé là-bas, puis ils l'ont rapatrié dans le wagon. Alors, si tu pourrais faire parler le wagon là, de toute son histoire qu'il a vécu le temps qu'il est au Québec, t'en as plein pour t'occuper là, pendant quelques jours, juste. Tu vas apprendre l'histoire, puis t'aimes ça l'histoire. Assieds-toi là-dedans, fais-toi conter l'histoire du wagon.
Puis si en plus on te compte l'histoire des États-Unis, tu vas en avoir encore plus. Puis si en plus il s'ajoute une histoire qui serait incroyable, ça serait l'Odyssée. Jillian Wood accrochait un train spécial qui partirait d'Halifax, s'en irait à Vancouver. Puis il y a une année pour le faire, donc il peut s'arrêter à de nombreux endroits. Comme quand il passera à Montréal, il pourrait arrêter quand même un bon moment, vu que c'est le 375e au Montréal. Il pourrait s'arrêter à Mkoui en passant, OK, deux, trois jours, avec ses wagons thématiques. Les touristes partout, ça viendrait autour. Et M. Trudeau n'aurait pas besoin d'être à bord, mais il pourrait faire des invitations. Il va pouvoir en faire justement une, s'il veut, là, prochainement. Madame, M. Obama, qui l'a invité avec sa conjointe d'aller pour un dîner, je ne sais pas si c'est pour Noël à la Maison-Blanche, l'a invité. Ça fait quelque temps que les présidents des États-Unis n'ont pas invité un premier ministre du Canada. Voilà qui invite M. Trudeau. Alors, il peut inviter M. Obama à venir faire un bout du tronçon. Est-ce qu'il peut passer peut-être dans la région? Il pourra choisir ça. Il peut inviter la première ministre de l'Allemagne, Mme Angela Merkel, le premier ministre de Hollande, embarquer les premiers ministres des provinces quand ils passent dans les provinces. Alors, ce wagon-là, ce convoi de train-là, quand il va arriver à l'autre bout, là, bien, il va avoir déjà une histoire qui va être inscrite dans ses murs. Il y aura des livres d'or qui auront été signés. Il y aura toutes sortes de choses avec les équipements audiovisuels d'aujourd'hui. Là. Tu vas avoir une attraction touristique. Tu amènes les touristes comment, là? Le monde dit, on voudrait avoir du tourisme. On voudrait qu'il arrête à Mkoui. Oui, c'est quoi? C'est en mettant un barrage dans le chemin? Ou en mettant un clown sur le bord du chemin en disant, arrêtez à Mkoui, là, arrêtez à Mkoui. Le monde, aujourd'hui, là, de plus en plus, les touristes, ils veulent vivre des expériences. Ils veulent découvrir le savoir. Ils veulent découvrir de l'histoire. Alors, il y a toutes sortes de touristes. Il y en a qui veulent voir des ponts couverts. Il y en a qui veulent voir les oiseaux. Il y en a qui veulent voir des choses. Mais il y a des gens qui ont vécu le chemin de fer. Il y en a qui ont ça. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé. Le grand-père, le grand-parent ont travaillé. Puis il y en a qui ont travaillé sur la Côte-Nord. Beaucoup de la Matapédia, de la région, qui ont travaillé à Chefferville, qui ont travaillé à cette île. Ils ont vu ce wagon-là, puis ils ne pouvaient pas monter à bord. Parce que c'était réservé aux riches, aux gros. OK? Mm-hmm. Et là, aujourd'hui, il est là. Mais là, c'est sûr que. On a fait travailler des étudiants chaque été depuis quand on l'a ouvert. Là. Si on le ramène avec toute cette histoire-là, puis qui est spick and span, qui est magnifiquement rénové, là, puis ça n'a pas coûté une scène, là. Ben moi, je ne peux pas comprendre qu'il peut y avoir quelqu'un à Mkoui qui peut être contre ça. Là. Moi, ils n'ont même pas un pouce ouvert à faire, c'est moi qui fais le voir, en plus. OK? T'as pas un pouce ouvert, ça ne te coûtera pas une scène, puis tu dis non à ça. Ben moi, je sais pas, là, ben. Cherche-toi un autre maire, peut-être. Peut-être qu'il y en a un autre qui va faire mieux que moi. En tout cas, c'est un beau souhait pour 2016. C'est un très beau souhait. Je souhaite de réussir ça parce que, à date, je suis très fier de ce qu'on a pu réaliser avec les conseils et les gens qui m'ont accompagné dans les différentes équipes municipales. Et j'aimerais que l'équipe actuelle puisse revenir sur sa décision et dire, là, il ne s'en va pas d'Amkoui, là. On est d'accord avec toi. On va t'appuyer, puis on va tenter le coup. Si on tente le coup, on va réussir. Moi, je suis persuadé que le Linwood, magnifiquement rénové après avoir fait l'Odyssée de la traversée du Canada, il va faire arrêter plus de touristes à Amkoui que le sous-marin Onondaga qu'ils ont mis à la pointe au père, qui en fait résister 20-25 000 par année. Le Parc régional de Val-d'Irène vous invite à son party du jour de l'an au chalet principal de la station le 31 décembre dès 22 h. La soirée sera animée par le groupe Nico et compagnie. Un transport gratuit de retour vers Amkoui est prévu à 2h30 du matin. Toujours du côté de Val-d'Irène, une course de descente en fat bike ou en vélo de montagne se tiendra le 9 janvier 2016 sur une piste de ski travaillée mécaniquement. La première manche se fait en chronométrage individuel et la finale en duel éliminateur. Pour info et inscription à l'une ou l'autre de ces activités, rendez-vous au www.valdi.ski ou composez le 418-629-3450. Je suis devant le nouveau service de la ressourcerie, le Croclive. Et c'est très tentant d'en prendre un, mais pour ça, il faut en avoir un autre à remettre. Plus de détails dans l'entrevue qui vient. Martin, il y a un nouveau service ici même à la ressourcerie. C'est un service de livres, de location de livres. Explique-moi comment ça fonctionne et d'où ça vient cette idée. Bon, bien, d'où ça vient, la première des choses, le croque-livre, c'est lors d'un voyage que j'avais fait cette année dans le coin de Québec, et je me suis aperçu qu'il y avait des petits croque-livres un petit peu partout à Québec, puis je trouvais que l'idée était intéressante. Fait que dans le fond, ce que ça vise, c'est que c'est des jeunes qui sont entre 0 et 12 ans. Ça vise cette clientèle-là en particulier. Dans le fond, le principe, c'est un échange de livres. C'est que le croque-livre que vous avez ici, c'est donner un livre et puis prenez-en un. Fait que c'est un petit peu ça qui se passe. Fait que nous autres, notre croque-livre, ça ressemble un petit peu à ça. On peut le décorer comme on veut. Et puis, on ouvre la porte et les jeunes arrivent à l'intérieur puis choisissent un livre.
J'ai même des petites choses amusantes, là. Ça, pour les jeunes, par exemple, il ne faut pas porter avec, là. Parce que ça, ça fait partie du croque-livre. C'est un petit peu la magie du croque-livre. Fait que les jeunes arrivent, puis ils prennent un petit livre comme ça. Mais avant d'en prendre un, il faut qu'il y en ait un déjà. Et puis, ils le mettent à l'intérieur, et puis, ils prennent le petit livre, puis ils peuvent le ramener au moment opportun. Mm-hmm. Hop, je vais remettre mon livre. Est-ce qu'il y a une bonne demande pour ça? Oui, actuellement, il y a une bonne demande. On voit sur le territoire québécois, au niveau du Québec, il y a plus de 200 croque-livres qui sont inscrits à croque-livre.ca. Les gens peuvent aller visiter justement ce site web-là où ce que nous autres, même la ressourcerie, est enregistrée pour montrer un petit peu qu'on a un croque-livre qui existe ici dans la Matapédia. Il y a déjà de la publicité un peu qui a été faite à gauche, à droite. Est-ce qu'il y a déjà une bonne réponse? Actuellement, oui, il y a une très bonne réponse de la clientèle, de la jeune clientèle. Et puis, je pense qu'à travers tout ça, c'est appelé à grandir. Et puis, je pense que la population est très réceptive. Et je crois sincèrement que durant l'année 2016, il va y avoir d'autres croque-livres en région. Alors, on va passer à Karine pour savoir à qui ça s'adresse exactement. Karine, à qui ça s'adresse exactement, ces livres-là? Mais dans le fond, le croque-livre s'adresse aux enfants entre 0 et 12 ans ainsi qu'à leur famille. OK. Qu'est-ce que ça peut apporter aux enfants, la lecture? Mais dans le fond, je pense que la lecture, c'est un beau moment qu'on peut passer là, avec nos enfants. Ça l'amène aussi de pouvoir élargir leur vocabulaire, mais aussi de pouvoir acquérir des compétences langagières telles que la compréhension et l'écoute. Ça permet aussi, lors de leur apprentissage, de développer au niveau de la lecture et de l'écriture aussi. Mm-hmm. Et comment on peut s'y procurer un peu n'importe quand, ces livres-là, où il y a des heures d'ouverture, j'imagine? Dans le fond, ouais, c'est ici même à la ressourcerie de la Matapédia, au 56 rue du Pont. On est ouvert de 9h à 5h et veuillez prendre note qu'on est fermé de midi à 13h. Mm-hmm. Les petits explorateurs sont de retour tout de suite après la pause des fêtes. Les détails avec Jessie Proulx de la table jeune de la Matapédia. En ce début d'année, quels petits explorateurs allons-nous rencontrer? En fait, pour débuter la saison 2016, dans le fond, ça va être Mme Marianne Denis qui va venir nous parler du Pérou. Marianne a habité un bout de temps au Pérou et elle a été chargée de projet ici dans certains organismes. Donc, elle va venir nous parler un peu là, du mode de vie des Pérouviens, puis un petit peu des voyages qu'elle a fait autour. Ça lui a permis justement de voir un petit peu l'Amérique du Sud, donc elle nous parlera un petit peu de tout ça. Là. Elle a été partie assez longtemps, là, pas loin de 3 ans, donc ça risque d'être fort intéressant. Une matapédienne d'adoption est en campagne de financement pour un projet d'aide humanitaire au Nicaragua. Elle vous invite à une dégustation de soupe animée. Nathalie a rencontré Lucille Tranchecoste, l'instigatrice du projet. Lucille, tu es une petite fille d'adoption de la vallée de la Matapédia. Et puis là, tu prépares un voyage au Nicaragua. Est-ce que tu peux expliquer d'où t'es venue l'idée de ça? De partir au Nicaragua? Oui. Mais en fait, moi, j'ai fait des études dans les droits humains. Donc, j'ai toujours été très tournée vers la solidarité, faire des projets communautaires, tout ça. Je suis vraiment très intéressée par ça. Et c'est vrai que j'étais toujours partie plus dans le côté juridique. Mais moi, ce que je veux faire vraiment, c'est plus aider les populations à pouvoir, mettre en œuvre leurs droits plus que les défendre, comme j'ai fait plus ces dernières années en tant que juriste. Okay. Donc, je cherchais vraiment plus un projet qui me permettrait à aider ces personnes-là, enfin, des personnes à l'international ou ici, à se développer en fait au niveau communautaire. Donc, j'ai trouvé cette mission-là qui fait partie d'un programme fédéral en fait pour les jeunes. OK, c'est déjà organisé d'avance. C'est ça, c'est organisé par le fédéral. C'est un organisme québécois qui m'envoie au Nicaragua, donc un organisme de Trois-Rivières finalement, qui a des contacts là-bas avec le Nicaragua. Et donc, moi, je vais partir là-bas comme agente de promotion des droits économiques des femmes. Mm-hmm. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aller dans cette communauté-là, qui est une communauté de 10 familles paysannes, les femmes se sont organisées pour faire de l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire développer beaucoup de projets, surtout autour de l'écotourisme, pour pouvoir développer leur communauté, et c'est-à-dire reprendre l'argent pour pouvoir développer tout ce qui est école, santé et autres besoins vraiment de base dans cette communauté. Donc moi, je vais aller là-bas et les aider à développer toutes sortes de projets qu'elles ont déjà en tête ou essayer d'avoir de nouvelles idées pour continuer dans leur lancée.
Là, évidemment, ça prend des sous pour faire ça. Hein? C'est pas tout financé là, par l'organisme. Puis là, il y a un moyen de financement que tu as imaginé qui est quand même très intéressant. C'est ça. Alors, en fait, oui, je dois faire une levée de fonds. C'était une des conditions que j'ai travaillé là-bas. Une condition pour... je devais récolter 1 100 $. Qui vont être transférés à l'organisme. Et donc, c'est vrai qu'en fait, moi, je viens du sud de la France, dans la région de Marseille, et là-bas, on a un événement, une nouvelle tradition depuis 10 ans, qui est de faire une fête des soupes. Donc, ça a commencé petit, les gens venaient faire des soupes, des associations présentaient chacun une soupe différente, qu'elle soit traditionnelle ou un peu exotique, et les gens venaient puis déguster avec un petit bol comme ça, toutes les soupes pour découvrir de nouvelles recettes, c'était pour mettre en avant la bonne bouffe, les bons légumes, tout ça, et c'est devenu quelque chose qui marche vraiment énormément, c'est le grand événement dans notre village, et c'est vrai que depuis que je suis arrivée dans la Matapédia, c'était quelque chose que j'avais dans la tête, je me disais, oh, j'aimerais quand même essayer d'implanter ça, et puis là, je me suis dit, ah ben tiens, l'occasion, voilà. Exactement, j'ai une collecte de fonds à faire, j'ai un événement, il faut que j'en fasse parler, ben pourquoi pas faire d'une pierre deux coups. Et donc c'est pour ça qu'on va lancer ça avec le soutien du CEMEC, en particulier le comité établissement Vert Brundtland et l'association étudiante qui ont embarqué dans le projet. Okay. Donc on va faire une fête des soupes le 9 janvier 2016. On va se réchauffer avec de bonnes soupes au mois de janvier. C'est ça l'idée. Alors en fait, que j'explique un petit peu à quoi ça ressemble en pratique là, c'est les personnes arrivent, donc nous on vend des billets, c'est 10 $ en pré-vente et 15 $ à l'entrée. On aura des faiseurs de soupe qui seront là avec leur marmite, chacun aura sa recette inscrite sur le côté puis pour pouvoir échanger. Et puis à l'entrée, on va distribuer des bols où les personnes pourront arriver avec leur propre bol aussi. Et ils passeront d'un stand à l'autre en fait et on va leur servir un petit peu de soupe. Puis tant qu'il y en aura, ben, voilà, on pourra se resservir. Donc c'est ça l'idée, pouvoir échanger autour des recettes, etc. Donc pour l'instant, on a un petit groupe de faiseurs de soupe. Il va y avoir des soupes traditionnelles de la vallée, mais également moi je vais faire une soupe provençale. J'ai une amie qui va certainement faire une soupe marocaine et ainsi de suite, quoi, en fait, de différentes nationalités pour faire découvrir des nouvelles affaires. Faire voyager. C'est ça, en plus. Et, mais on est toujours à la recherche de faiseurs de soupe également. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées, qui ont envie de faire ça, d'embarquer dans le projet, elles peuvent me contacter, seront les bienvenues. Et en plus de pouvoir déguster de bonnes soupes, je pense qu'il va y avoir de l'animation. Oui, c'est ça, parce que la fête des soupes, c'est vraiment l'élément central. Donc, il y aura lieu environ entre 11h et 13h30, ou du moins le temps qu'il y a de la soupe. mais autour de ça, on va avoir aussi, on propose en fait aux femmes intéressées de venir faire un cours de baladie le matin, donc entre 10 et 11 S'ouvrir environ. S'ouvrir l'appétit. C'est ça, exactement. En fait, l'idée, c'est on sort des fêtes où on a vraiment trop mangé, où on n'a pas trop bougé, puis là, bam, on propose de la danse le matin, donc danse orientale. Le midi, les soupes. Et l'après-midi, il va y avoir une conférence sur la permaculture donnée par Marie-Andrée Mathieu, la propriétaire du potager enchanté. Mmh. Donc voilà, plein de belles choses autour de la santé, de la bonne bouffe. On vous attend nombreux. Excellente idée. Puis comment on fait pour se procurer les billets? Alors les billets, il faut me contacter. Donc, au numéro qui apparaît. C'est ça qui apparaît. OK. donc soit par téléphone, sur le Facebook ou par courriel. Ou sinon, on peut s'adresser aussi à Michel Marcheterre du CEMEC qui a des billets également à vendre. Excellent. Bien, je vous souhaite une fête des soupes très, très gustative et puis bon voyage. Merci. Diffusion Mordicus a récemment dévoilé sa programmation hiver-printemps 2016. France a rencontré le coordonnateur technique et artistique de Diffusion Mordicus, M. Michel Coutu. Michel, belle programmation chez Mordicus, programmation hiver-printemps. Premier spectacle, le 26 janvier, un spectacle en résidence. Exactement, c'est la première fois que Diffusion Mordicus va recevoir un artiste, c'est un groupe d'artistes en résidence. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, c'est que les gens vont s'installer à la salle Jean Cossette pendant plus de 2 jours. Ensuite, ils vont répéter le spectacle, le beau fini un petit peu. Ensuite, ils vont le présenter. Le spectacle, le groupe plutôt, s'appelle Bouffon Noir. C'est un groupe de Rimouski. C'est un petit peu un mélange de Caïn et de Fred Pellerin. C'est assez imagé, les textes sont assez bons aussi. C'est musical, évidemment. C'est un
un groupe de trois musiciens. Et ils vont présenter leur spectacle au public le 26 janvier en après-midi. Je crois que c'est un dimanche et c'est à 14 heures. Et seulement 10 $ vont venir le voir. Et les gens vont pouvoir commenter le spectacle par la suite. Vous devriez faire ça, vous devriez améliorer telle ou telle chose. Lorsqu'on fait une résidence, c'est pour préparer, entre autres, les groupes à se présenter dans les grands réseaux et à faire une tournée. Donc, c'est une première. Ça fait partie de notre développement de public et de notre développement aussi d'aide aux artistes. Ah, bien, c'est pas cher. Donc, c'est à découvrir aussi. C'est facile. Exactement, à, ouais, d'accès. On poursuit ça avec un pianiste le 30 janvier. Oui, un pianiste assez prometteur qui s'appelle... Jean-Luc Terrien. C'est moi qui ai monté la programmation et je ne sais pas par cœur encore. Et c'est ça, Jean-Luc Terrien, 30 janvier, c'est toujours les jeunesses musicales. On a toujours des belles salles aux jeunesses musicales, même s'ils ne sont pas remplis à pleine capacité. J'invite les gens à sortir de leur zone de confort pour justement écouter. On a un superbe piano, une sonorité incroyable. Et ce jeune-là est un pianiste très, très, très prometteur. Donc, c'est à voir le 30 janvier. Pour les amateurs. Est-ce que c'est plus de la musique classique populaire? C'est du classique. Ce n'est que du classique. Évidemment, ils ont, c'est assez extraordinaire de voir justement ces pianistes-là donner un spectacle d'1h30 sans feuilles. C'est du par cœur, évidemment. Donc, il y a beaucoup de répétitions dans l'après-midi qui se fait. Donc, c'est assez extraordinaire. C'est un spectacle que moi, j'adore parce qu'on justement on sort de notre zone de confort et on peut vraiment oublier tout soir. Là. Un troupe de théâtre d'ici, Théâtre ouais. de Québec, le 6 février, qui nous présente une pièce. Les amateurs de baseball vont adorer cette pièce-là, même si on y parle très peu de baseball, mais d'après les critiques qu'on a eues, ils ont rempli deux fois à Québec lors de leur dernier spectacle. Ils ont fait deux représentations, salle comble. Donc, il y avait de la demande. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté la production, tout simplement. On a offert une production matapédienne de venir se produire à la salle de spectacle au même niveau qu'un artiste professionnel. Donc, ils vont être là, ils vont être reçus comme un artiste professionnel, ils vont offrir leurs pièces. Et encore là, les billets sont vraiment pas dispendieux. Les prix sont sur le site Internet. Vous pouvez aller voir. Et j'espère qu'on va faire ça le compte. Déjà, les billets s'envolent. Il y a des billets disponibles à Québec et ainsi en ligne, ainsi qu'au Select Hotel. Là. OK. 26 février, je pense qu'il n'y a pas besoin de représentation. Rémi Chassé, exactement. Tout le monde a, ou à peu près l'a vu ouais. à La Voix. Rémi Chassé, qui est présenté par Électricité Garon, c'est un des finalistes de La Voix de l'avant-dernière année. Il est venu nous visiter, entre autres, au 125e d'Amqui avec les Vikings, venu quelquefois à cause abscale en spectacle corporatif. C'est un spectacle tout à fait électrisant. Nous, on l'a fait en octobre dernier, full ben, je peux dire ça, là, avec du côté de Rimouski. C'était assez incroyable, ça déménage et il vient tout juste de lancer son album en français en plus. Donc vous allez voir, vous allez vraiment, vraiment être gâtés, là. Vous allez pouvoir danser et c'est un spectacle assez électrisant, merci. À suivre et à voir. Oui, à voir surtout. Faire l'amour, donc une pièce de théâtre ouais. le 4 mars. Oui, pièce de théâtre qu'on voulait avoir là, peut-être 2 ans. Et là, c'est drôle de dire ça, on s'est glissé entre entre la tournée. Exactement. Et Faire l'amour, entre autres, c'est 4 comédiens qui racontent des vraies histoires, leurs histoires personnelles, comment ça s'est passé leur première fois. C'est assez extraordinaire et il n'y a rien de vulgaire, là. Il n'y a rien de déplacé. C'est ouvert à tous les publics de toute façon. Et c'est vraiment extraordinaire. On a des très, très, très belles critiques et partout où ils ont passé, les salles étaient combles. Donc, c'est une pièce vraiment, on s'assoit et on vient écouter ça. Ça va être assez intéressant. C'est fait sous forme humoristique ou plutôt c'est touchant? Il y a différentes scènes. C'est acté aussi. Il y a 4 comédiens, je vous donne juste un petit extrait, entre autres, si vous allez voir, entre autres, l'extrait sur le site Internet, on a un paraplégique qui raconte ses expériences, mais on ne sait pas qu'il est paraplégique. C'est à la fin qu'il se dévoile, justement, et on reste... tout ce qu'il nous raconte, c'est assez incroyable. Comme je vous le dis encore, c'est pas vulgaire, mais je pense que c'est une belle soirée, justement, pour venir écouter ces gens-là, et ça fait un petit peu penser à certains monologues qu'on avait des artistes qui viennent se présenter. Donc, c'est à voir. C'est un spectacle qu'on attendait beaucoup, donc venez voir ça. Vous avez réussi à l'avoir. Oui. La semaine de relâche, une petite comédie pour les jeunes et les moins jeunes. Clip. Exactement. On va recevoir quelqu'un quand même d'assez extraordinaire. C'est un gars qui a fait, entre autres, le Cirque du Soleil, qui a fait le Cirque Aloïse et Éloise, plutôt. Et c'est un clown très, très, très gauche.
spécialiste du mime. C'est assez éclaté. Tout ce qu'on a vu au niveau des extraits, c'est extrêmement drôle. On rit du début jusqu'à la fin. C'est ouvert d'un public de 3 ans jusqu'à 77 ans. Vous allez rire. Venez en famille, venez aussi avec les enfants. Entre autres, les billets sont pas chers. Pour un enfant, c'est 5 $ et pour un adulte, c'est 10 $. C'est à 14 h. Ça termine la semaine de relâche. Donc, si vous voulez rire un bon coup et décrocher un petit peu, c'est le spectacle qui est à voir. Ça dure seulement 50 minutes. Donc, entre les deux siestes, là, c'est parfait avec les enfants. 40 ans de carrière, Laurence Jalbert. Ah, ça, c'est un incontournable. Laurence Jalbert, qui sera en sa 4e visite ici à la salle Jean Cossette, elle lance son nouvel album au printemps et va nous présenter en formule acoustique avec 2 musiciens ses 40 années de carrière. Ça va être assez incroyable. On sait que c'est une dame qui, en spectacle, et autant avec l'équipe technique, ses musiciens et le public, est très intense et très proche de ses gens. Donc, on va pouvoir entendre les premiers succès de Laurence Jalbert, de tomber jusqu'à jeter un sort et toutes ses nouvelles pièces, entre autres, puisqu'elle va nous faire, évidemment, quelques pièces de son nouvel album. On poursuit 13 avril avec Kevin Bazinet. Ah, ben oui. Kevin Bazinet, là, il y en a quelques jeunes filles qui ont fait « Ah, j'ai mon billet, ça va être extraordinaire. » Et oui, effectivement, on est très chanceux. C'est grâce au Centre dentaire Stéphane Lamarre si on a pu avoir ce show-là. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté tout simplement le spectacle. Ils ont dit « Ben, écoute, nous, on va en offrir, entre autres, à nos gens. » Vous pouvez vendre le reste des billets au public en général. Donc, on est très, très, très chanceux parce que c'est un artiste qui tourne énormément. Il vient tout juste de lancer Talk to Me pour son nouvel album. Donc, il va venir... J'ai bien hâte de voir Kevin Bazinet en spectacle parce que partout où il passe, ça fait penser un petit peu au temps des Beatles. Les jeunes filles perdent connaissance et ça va être assez extraordinaire. Je pense que ça va être un beau show. C'est un gros coup de maître aussi d'avoir eu le gagnant de la voix ici, Amqui. Parce que très en demande. Et c'est un artiste, entre autres, qui ne fait que des grandes salle. Donc, ça, c'est assez intéressant de l'avoir. C'est un bon coup de chapeau, là. Suivi, le lendemain, Leder et Canciones. Leder et Canciones, c'est ça. Ça, c'est un spectacle toujours des jeunesses musicales et c'est guitare et baryton. Ça va être assez incroyable aussi. Guitare classique et baryton, on n'a jamais vu ça. Donc, moi, j'ai très hâte de voir ce spectacle-là, avec la sonorité que ça doit avoir. Là, ça va être assez extraordinaire. Encore là, je vous le dis, jeunesse musicale, sortez de vos zones de confort et venez écouter ça. Le lendemain, Kevin Bazinet. Vous pouvez même rester dans la salle, si vous voulez, jusqu'au lendemain. Cathy Gauthier, qui est connue de chacun le 30 avril. Donc, c'est vraiment une programmation. Ouais, des gros noms. Il y a Cathy Gauthier, on le sait, Félix Delannay pour le spectacle de l'humour. Donc, Cathy Gauthier, qui est à son deuxième passage à Amqui, son premier One Woman Show, était venue ici. Donc, elle revient et son spectacle, encore là, fait ça le compte partout. Une énorme tournée. On a joué du coude un peu pour l'avoir ici à Amqui parce qu'elle était sur la Côte-Nord. Elle retournait à Montréal par la suite. Donc, à force de travailler, bon, on a réussi à la faire traverser sur le nouveau traversier et s'en venir à Amqui pour présenter son spectacle. Et je vous dirais qu'il ne reste pas beaucoup de billets. Là. Donc, au moment où on se parle, justement, là, hier, on avait libéré quelques billets pour les 3 shows complets et il en reste à peine. Donc, vous avez encore le temps d'aller sur la billetterie en ligne et au Select Hotel. Là. Fait qu'en date du 15 décembre, Cathy Gauthier, très peu de billets, Kevin Bazinet et Philippe Bond, dont je vais vous parler. Et c'est ça. Donc, c'est des billets qu'on a libérés. Qui était retenu tout simplement et qu'on a libéré, on a décidé d'aller de l'avant. Qui annonçait complet, mais vous avez réussi à avoir quelques billets. Exactement. On n'ajoute pas de chaises et on grossit pas la salle. Non. C'est seulement des billets qui sont retenus soit sur Internet pour les ventes et tout ça. Donc, on a été plus rapide. On a dit, bon, là, on les libère avant le temps des fêtes parce que c'est le temps de faire vos cadeaux. Parfait. Donc, allez acheter ça tout de suite. Là. Parfait. On poursuit les Saboulés, bien sûr. Ben le oui, le 1488 de l'amour. Est-ce qu'ils sont venus déjà? Oui, ils sont venus déjà en tournée d'été avec Rosette, on a fait ça le compte cette fois-là. Donc, allez-y, les billets se vendent énormément. Et c'est leur nouvel album, Les Sœurs Boulées, toujours les textes incroyables. Cette fois-ci, un musicien de plus sur scène. Et en plus, on a une première partie avec Marie-Lou Brière-Berthelot. Ceux qui ont écouté, entre autres, Faites comme chez vous à TVA, l'ont sûrement vu à la TV. Une belle voix, elle était à notre lancement. Donc, on va avoir une petite... Ça, c'est un show complet, là. C'est un show coup de cœur. Et vous allez ressortir de là avec un avant-goût de l'été, vraiment. Ah oui, absolument. Ouais. Et finalement, le 20 mai, avec Philippe Bond. Son deuxième spectacle, pas très original comme titre de spectacle, mais il a fait son deuxième. Et encore là, on a joué du coup de Philippe Bond, ne fait que des grosses salles. Fait des salles à 800 places. Donc, on a, je vous dirais, harcelé
le gérant, la production, vous disent ben ça serait le fun qu'il fasse un petit plateau. Donc, on a réussi à trouver 5-6 dates pour Philippe Bond. Donc, il vient nous visiter à Amqui. Ça aussi, c'est un gros coup de chapeau pour avoir eu cet artiste-là, là, parce que c'est un gros nom. C'est un des plus gros noms présentement de la colonie artistique au niveau humour. Donc, on va l'avoir. Les gens sont bien chanceux d'avoir Sam Cui. Oui. Si on veut revisiter, parce qu'on est allé rapidement, on peut aller sur www.diffusionmorticus.ca. Exactement. Il y a des extraits, ce que j'ai compris. Oui, il y a des extraits sur tout. Allez tout simplement dans Programmation, vous allez voir toutes les choses vont apparaître, vous allez sur Détails, vous avez les extraits, les explications du spectacle, les prix. La billetterie en ligne, c'est la même chose. Vous pouvez acheter directement en cliquant sur Acheter des billets lorsque vous avez l'artiste. Et il y a un plan de salle, vous allez dans À propos. Dans nos salles, le petit plan de salle est là, vous l'agrandissez, vous allez sur Internet choisir vos places. Bien, vous ne pouvez pas choisir vos places. On vous propose des places. C'est un petit peu pourquoi les billets sont pas très dispendieux dans cette programmation-là. Parce qu'on n'a pas énormément de frais au niveau de la billetterie en ligne. Il y a certains frais dans les autres billetteries énormément dispendieux. Mais nous, on a resté toujours abordable. Donc, vous choisissez adulte. Les billets sont récupérables seulement au guichet. Donc, c'est très facile à 11h le soir, après une coupe de vin, d'aller se magasiner des billets de spectacle. On fait toujours ça. Exactement. Maintenant, les billets sont en vente à quel endroit? Est-ce que c'est toujours au Select Hotel? Toujours au Select Hotel. La billetterie est ouverte de 8h le matin jusqu'à 8h le soir. Donc, vous allez là-bas. Vous pouvez aussi acheter par téléphone directement au Select Hotel en ligne. Et les gens qui veulent avoir de l'information, justement, sur Diffusion Mordicus, qui veulent avoir la programmation, va tout le monde. On n'ira pas vous chercher par là, mais chez vous. Là. Mais inscrivez-vous à l'infolettre. Vous avez une infolettre qui rentre une fois par mois. Il y a énormément de publicité avec nos partenaires, entre autres. Donc, allez voir les programmation. Appelez-nous au bureau tout simplement pour savoir qu'est-ce qui se passe et achetez votre carte demande. On a eu 50% d'augmentation au niveau des cartes demande lors de cette programmation-là. En ayant votre carte demande, vous êtes automatiquement informé par l'infolettre et par courriel du lancement de la programmation, d'acheter vos premiers billets, parce que les gens qui ont leur carte demande peuvent acheter 4 billets à 10% de rabais de chaque spectacle. Fait que c'est assez intéressant. Il y a des beaux cadeaux de Noël qui sont faits cette année, donc c'est une superbe de belle programmation qu'on a pour cette année, et avec que des gros noms, évidemment. Alors, il reste à acheter nos billets, aller voir le spectacle, n'offrir en cadeau. Oui, et dépêchez-vous. Moi, c'est le conseil que je peux vous dire. Les gens attendent toujours, « Ah, ça se remplit pas, on va y aller, on va acheter nos billets la dernière semaine. » Mais là, c'est vraiment pas le cas. Des salles comptent, 3 shows. Donc, les autres se vendent extrêmement bien. Donc, dépêchez-vous. Plus des belles découvertes à faire. Oui, plus des belles découvertes. Voilà qui complète le dernier Bien branché de l'année 2015. En terminant, je vous invite à revenir souvent sur le Canal 4 durant la période des fêtes. Vous pourriez tomber sur la parade de Noël des Jardins captée à Amqui le 29 novembre dernier. Autrement, revenez-nous le 7 janvier prochain pour la rétrospective de l'année 2015 animée par Nathalie Roussel. Sur ce, bon temps des fêtes à tous! Informatique Barrest assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Barrest offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel. Si vous avez des activités ou événements à promouvoir, vous pouvez nous rejoindre soit par téléphone au 418-629-4503, soit par courriel au journaliste@commercial.tvcmatapedia.com.